Merci. Allez, on y va ? 1, 2, 3. Voilà. La nuit. Très bien. Bravo. Moi je suis ravi ici d'être ici. Ravi, je dirais même grande fierté, immense joie. J'en vois certains qui sourient parce qu'ils connaissent le long chemin parcouru pour aboutir à ce moment tant attendu, bien entendu. Donc aujourd'hui, pour inaugurer cette nouvelle résidence Habitat Jeune, fruit d'un partenariat exemplaire entre Morbihan Habitat, Cap Avenir et notre commune de Bleu-Hermel, bien entendu, depuis quelques petites années quand même. Ce moment est pour moi un symbole fort de notre engagement envers la jeunesse, le développement économique et l'habitat pour notre territoire. Je tiens à saluer, bien entendu, ici présent, tous les acteurs de l'habitat, qu'ils soient auprès de mes élus, nombreux. Merci, mes vice-présidents, d'être présents dans différents domaines. Et je tiens à saluer, merci Marie-Hélène, d'être présente justement à cette inauguration. Tout d'abord, je souhaite remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet imaginé. Voilà à peu près 10 ans. 10 ans qu'on en parle, j'ai souvenir, au début de ma dernière mandature de maire, en installant de président d'intercommunalité, même particulièrement, où on avait évoqué avec notamment Erwan, dans la première approche. Stéphanie, où on avait, oui, également, on avait travaillé sur ces sujets en évoquant cette perspective d'une résidence habitat jeune, d'une maison des jeunes à l'époque, je ne sais plus comment on appelait ça, un foyer des jeunes travailleurs et qui finalement s'est révélé avec un nom beaucoup plus approprié, beaucoup plus moderne. Il y a peut-être un bruit de fond qui est un peu désagréable. Notre travail en commun, je dirais, et notre détermination ont donné vie à cette résidence qui est un véritable foyer pour nos jeunes, étudiants comme apprentis, on est bien dans ce domaine. Je salue, bien entendu, la participation de mes collègues de Bleu-Hermel Communauté, qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance à tous dans cette démarche. Ce n'était pas toujours gagné à différents niveaux. Ainsi que la présence de nos partenaires, élus, acteurs locaux qui ont soutenu cette initiative, et bien entendu d'un point de vue financier pour certains. C'est grâce à notre collaboration que nous avons pu mener à bien ce projet ambitieux pour la réussite justement des jeunes sur notre territoire. Ça s'inscrit véritablement dans un besoin exprimé de notre jeunesse sur l'implantation. J'entends souvent, j'allais dire tout le temps, des fractions de jeunesse qui viennent me voir en me demandant « on veut bien travailler sur le territoire, mais comment faire pour se loger ? Comment faire pour résider ponctuellement ? Comment faire pour participer activement auprès des acteurs économiques qui nous sollicitent ?» Alors cette résidence, c'est pas simplement un bâtiment, elle représente un espace de vie. D'ailleurs, on va le visiter tout à l'heure, mais déjà les premiers aspects le révèlent sous ce cadre. Espace de vie, de partage, d'épanouissement. Il a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes en leur offrant un cadre de vie agréable, sécurisé, apaisé, je dirais, et adapté à leurs attentes. Il est pour moi essentiel de fournir à notre jeunesse des conditions favorables pour pouvoir vivre, s'épanouir, former, se projeter dans l'avenir. C'est aussi ça le démarrage, hein. Notamment ici à Bleu-Hermel. Moi j'aime bien qu'on peut démarrer ici sur Bleu-Hermel, on crée des belles implantations, des personnes qui résident sur le territoire et qui ne s'échappent pas dans les extérieurs, les grandes valeurs, il faut qu'ils restent un peu chez nous. Et qui cherchent justement à ce que tous ces talents puissent se développer et s'épanouir sur notre territoire. Nous savons tous que la transition vers l'autonomie, comme dans la jeunesse, c'est un parcours quelquefois périlleux. Pour des nombreux jeunes, c'est pourquoi cette résidence a été pensée comme un véritable tremplin. Un lieu où chacun pourra trouver non seulement de quoi se loger, mais aussi un soutien, des ressources, des opportunités.
grâce à des espaces communs, des activités, des services d'accompagnement, nous souhaitons favoriser l'insertion sociale et professionnelle de vos jeunes résidents. Je tiens également à souligner l'importance de l'engagement de Morbihan Habitat qui a pu venir dans ce projet, indéniablement. Leur expertise, leur vision en matière de logement social et d'accompagnement des jeunes ont été déterminantes pour faire de cette résidence un bon lieu de vie exemplaire. Ensemble, nous avons réussi aussi à créer un environnement qui, je l'espère, répondra aux attentes et aux aspirations des jeunes. On se situe à deux pas du centre-ville. Notre résidence Habitat Jeune va participer à la dynamique de ce nouveau quartier, comme vous pouvez le voir, de la Nouée Verte avec ses logements, son école. Derrière, le bâtiment en finalisation, en voie de finalisation, enfin, c'est une école. L'école primaire Antoine de Saint-Exupéry, le foyer Adapi à côté, et de toutes les infrastructures nécessaires, y compris, bien entendu, en desserte de mobilité avec des arrêts grâce aux RIVBUS qui permettent justement de favoriser la mobilité sur le territoire. J'ai même entendu dire que les horaires et les points de passage étaient parfois repensés pour être mieux adaptés aux impératifs des employés et des entreprises. Une revoyure sera bien entendu revue, sera faite de façon à ce qu'on puisse améliorer encore ce service de la mobilité et apporter des réponses à des résidents qui, pour certains, auront justement à devoir bénéficier de ce service. En inaugurant cette résidence, on affirme notre volonté de placer la jeunesse au cœur de nos priorités. Vous allez me dire, c'est vraiment un concept normal pour les politiques de considérer comme cela. Mais pour moi, c'est important. Ça participe, je dirais, dans le même élan que la nouvelle école qui est juste à côté, que les nouvelles structures en France jeunesse que nous sommes en train de construire sur la ville de Plouermel. On a quelques investissements de quelques millions d'euros, n'est-ce pas, mes chers collègues, qui ont été validés. Et le nouveau lycée public, ici à Plouermel également, qui contribue à cet épanouissement de la jeunesse. Arrivé à l'étape d'entrée dans la vie étudiante et professionnelle, chaque jeune mérite d'avoir accès à un logement décent et des opportunités d'épanouissement. Un accompagnement adapté, c'était vraiment le cas. La résidence Habitat Jeune est un investissement dans notre, je dirais, avenir collectif. Je dirais, en termes de développement pour la jeunesse, on est en travail de large partenariat avec l'UBS. L'UBS qui compte installer sa quatrième antenne du département, ici à Plouermel. C'est pour moi un sujet fort, un sujet majeur, mais ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir apporter des réponses demain en termes de logement, en termes d'habitat. Et je crois qu'un outil de ce genre va pouvoir nous permettre de donner des réponses satisfaisantes. Donc, on est tous impatients de découvrir cette résidence, de rencontrer les équipes qui y travailleront, certainement ici autour de nous, d'échanger avec les jeunes qui y vivront. Ensemble, faisons de cet espace un lieu de vie dynamique, inspirant. Pour conclure, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence et votre soutien. Nombreux, hein, aujourd'hui, je suis agréablement surpris. Ensemble, continuons à bâtir les conditions de ce qu'on peut considérer comme les conditions d'un avenir prometteur pour notre jeunesse, pour Plouermel Communauté et ses entreprises, pour notre belle commune de Plouermel, et tout son environnement, Marie-Hélène, je ne suis pas exclusivement Plouermelais, mais bien entendu, je travaille pour un territoire bien plus étendu, même pour nos voisins d'à côté, qu'on n'oublie pas, bien entendu. Merci à vous. Ça me permet de rebondir, cher Patrick, parce qu'effectivement, en tant que conseillère départementale du canton d'à côté, le nord de notre canton est desservi par, enfin, fait partie à peine de façon pleine et entière de ce pays de Plouermel, de ce territoire du pays de Plouermel qui m'est cher. Et j'ai envie de vous dire qu'en tant que conseillère départementale, c'est avant tout autant que citoyenne que j'apprécie ce lieu-là, et en tant qu'élue d'autant plus, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur ce projet, qui est un projet de territoire pour moi, très largement, parce qu'effectivement, Plouermel est la ville-centre de ce pays de Plouermel. Et que nous sommes tous amenés à y venir d'une façon ou d'une autre, et ça fait de nombreuses années qu'on, enfin de nombreuses années, non, mais de nombreux mois maintenant qu'on voit par contre dès qu'on passe sur la rocade entre guillemets,
ce bâtiment émerger et tout ce secteur, comme tu l'as dit, porté aussi par Morbihan Habitat, aussi bien pour l'école que le reste. Et donc là, on voit aussi toute l'importance de Morbihan Habitat sur ce sujet, quand je suis fière d'être la vice-présidente. Donc je cumule les casquettes ici aujourd'hui. Donc, il ne faut pas faire de conflit d'intérêt, mais je vais faire du conflit d'intérêt positif sur le sujet. Effectivement, on le voit avec cette grande butte, pour autant qui va casser un peu le bruit, mais il prend sa place pleine et entière dans le paysage Plohermelais. Voilà, moi ce que je veux vous dire au niveau du département, puisque je représente donc David Lapartien qui s'excuse et qui ne peut être présent, et j'ai le grand plaisir de représenter, c'est que le conseil départemental œuvre à côté des FJT, donc des foyers de jeunes travailleurs, ici résidence jeune, mais la même chose en fait, c'est la nouvelle dénomination plus fun, plus moderne, comme tu le disais. Et je salue la présence donc et le portage par Agora. Qui porte cette résidence avec nous. Capagnère, j'ai dit une bêtise. Excusez-moi. On aura c'est l'autre côté. Ils sont tous là. quelle que soit la structure pour nous, en tout cas, ce sont des vrais partenaires, c'est ça qui compte. Parce qu'effectivement, il y a ces espaces que nous construisons, mais après, il faut les animer. Et donc, c'est le moment d'arriver peut-être à parler un peu chiffres. Ici, c'est 342 000 euros qui ont été investis par le conseil départemental en subvention pour équilibrer le projet. Mais à côté de ça, c'est une subvention aussi de 33 000 euros à peu près par an pour l'aide au fonctionnement de tous ces espaces communs, comme tu l'as dit, Patrick, qu'il faut animer, tout ce suivi aussi qu'il faut faire. Au niveau du département, dans son ensemble, parce que ça n'est pas su, en fait, il y a une subvention de 553 euros par place de foyer de jeunes travailleurs qui est donnée par le conseil départemental pour aider à l'animation, ce qui fait un budget total pour l'ensemble du département de 470 000 euros. Donc vous voyez, on dit souvent que les petits ruisseaux font les grandes rivières, ben voilà, c'est peut-être 33 000 ici à Plohermelles, mais sur l'ensemble du département, c'est vraiment un budget non négligeable, comme vous le voyez, mais qui concourt effectivement à l'épanouissement de nos jeunes, à l'accueil de nos jeunes. Et je pense que vous me permettrez aussi, en tant que conseillère départementale, et j'y associe Nicolas Jacoudi, ici présent, qui est également partie de la majorité du conseil départemental, la protection de l'enfance, puisque nous avons nos jeunes majeurs aussi qui, lorsqu'ils sortent de la protection de l'enfance à 18 ans, ont aussi besoin de continuer à être accompagnés. Et nous avons aussi besoin de place pour eux, pour les aider à gagner de l'autonomie, à pouvoir prendre leur envol plein et entier et qu'ils s'insèrent de façon la plus satisfaisante possible dans la société, qu'ils trouvent aussi leur épanouissement, tout comme les autres jeunes de nos territoires, de nos familles. Donc il y a aussi des places dans les FJT qui sont réservées pour ces jeunes majeurs issus de la protection de l'enfance. Donc j'ai une pensée toute particulière pour eux, puisque c'est une de nos grandes politiques, la protection de l'enfance, et parfois ça n'est pas toujours bien su ou pas toujours bien identifié, et c'est bien de rappeler des choses. Et de façon générale, effectivement, ça fait plus de 10 ans qu'en tant qu'élu à tes côtés, entre autres, avec nos collègues aussi ici présents, je pense à Ronan aussi, qui était élu depuis quelques temps, nous avons eu des études, notamment menées par la mission de local du Pays de Plohermelles. Je suis la présidente, donc là je reprends de mes casquettes. Mais tout ça, vous le comprenez bien, est extrêmement imbriqué. Et il y a complètement du sens. Pour montrer qu'il y avait un vrai besoin aussi sur ce territoire d'accueil pour les jeunes. Je suis ravie de voir, après tant d'années de projets et de travail, le voir éclos complètement. Et j'en ai hâte de le visiter avec vous tous. Et puis je salue à ce niveau-là le travail aussi de Morbihan Habitat, qui est un vrai. Quand le Morbihan Habitat, c'est pas que moi, ouais, c'est tout le monde derrière, c'est toute une équipe, c'est une vraie famille d'ailleurs, j'avais tendance à le dire, à laquelle je suis pleinement heureuse aussi de faire partie. Mais là, je vais me mettre de l'autre côté et dire que Morbihan Habitat est un vrai partenaire sur notre département pour nous aider, nous, communes, intercommunalités, à faire émerger aussi ces projets. Par toute l'assistance à maîtrise d'ouvrage et par le portage qu'il fait, tout suivi avec les entreprises, etc. Donc, et toute l'économie financière qui va avec et qui est gérée.
Donc bravo aussi à Morbihan Habitat et à tous ceux qui sont dans l'écosystème pour faire fonctionner tout cela. Et puis j'ai envie de dire longue et heureuse vie à cette résidence jeune. Et voilà, que ça se passe très bien avec Cap Avenir, qui a un joli nom, n'est-ce pas ? Allons tous vers l'avenir positif pour nos jeunes, parce qu'ils ont besoin aussi d'un avenir positif dans ces moments, en ce moment, pas toujours facile. Mais c'est pour eux que nous sommes là, parce que rien de mieux que la jeunesse qui est notre avenir. Oh, excusez-moi. Merci. Bonjour à tous et à tous. Philippe Tata, on a la chance de présider le conseil d'administration de la CAF du Morbihan. Pleu Hamel compte beaucoup pour nous. Cap Avenir aussi, puisque ça fait longtemps qu'on vous suit. J'ai eu la chance et le plaisir, pendant quelques temps, d'être administrateur auprès de Cap Avenir avec, je pourrais presque dire, mon ami là-bas, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Donc je suis très heureux que la CAF ait pu vous accompagner. Je vais faire beaucoup plus court que vous, madame, puisque j'ai hâte aussi d'aller visiter... C'est pas une censure. Mais j'ai hâte d'aller visiter un petit peu. Donc je vais juste vous dire quelques chiffres. Nous avons participé à hauteur de 50 000 euros de subventions, 150 000 euros de prêts et 50 000 euros. Alors j'espère que ce n'est pas que pour acheter des baby-foot, mais au moins si nos jeunes peuvent évoluer dans un cadre agréable, moi je suis très content. Donc bravo à vous. Et je pense qu'il faut quand même noter que ça a été très long. Très, très long. Je sais que ce genre de structure, on est sur le temps long, mais le résultat, bravo à vos équipes, hein, monsieur, puisque le résultat est vraiment sympa et je pense que nos jeunes seront bien. Donc merci à vous. Bonjour à tous. Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion, je suis Patrick Lalou, président du Cap Avenir. Mesdames, Messieurs, merci d'être aussi nombreux à l'inauguration de la résidence habitée à jeunes, de la Nouée Verte. Cela prouve qu'il y a été besoin d'importants attentes sur le territoire de Pleu-Hamel. Je voudrais adresser un remerciement particulier à Marianne Offray, présidente de l'Union nationale de l'habitat pour les jeunes, accompagnée de Karine Guillou-Lafont, de Marie-Claude-Gel et de Clémence. Excusez-moi, Clémence, monsieur. Tous trois représentants de l'Union régionale pour l'habitat jeune. Nous sommes très sensibles à votre présence. Cette inauguration de la Nouée Verte est l'aboutissement d'un long travail collectif entre la mairie de Pleu-Hamel, initiatrice de ce projet, et différents financeurs publics, le bailleur social Morbihan Habitat, un cabinet d'architectes et Cap Avenir. Ce projet a démarré en 2015 pour Cap Avenir, avec la très forte implication de Claude Petit et Francis Congar, alors administrateurs, et dont je salue la présence aujourd'hui. C'est sous la présidence de Daniel Lediverdère, mon prédécesseur, que ce projet a été mené à terme en juillet 2024. Je n'oublie pas dans cette longue démarche et dans cette période difficile marquée notamment par le Covid, le suivi du dossier au quotidien par Anthony Boisard, directeur du Cap Avenir. Enfin, un remerciement tout particulier à Dorothée Duhamel, responsable du site, à Morgane Rapp, intervenante socio-éducative, à Vincent et Elena et Nolwenn, agents de maintenance de service, qui depuis le mois d'août et parfois dans des conditions... Et parfois dans des conditions très compliquées, ont pris en main cette résidence pour accueillir les premiers occupants. Pour finir, j'espère que les prochaines politiques budgétaires nationales n'affecteront pas trop nos financeurs et ne remettront pas en cause l'équilibre financier de nos associations, ainsi que les projets de nouvelles résidences habitat jeunes, alors que le besoin est important. Merci à toutes et à tous, et je passe la parole à Anthony Boisard, directeur du Cap Avenir. Bonjour à tous. Mais écoutez, c'est toujours très émouvant pour un directeur d'association gestionnaire de résidence habitat jeune d'ouvrir une résidence comme celle-ci. Voilà, c'est effectivement, vous l'avez tous dit, on va abandonner le micro. Hein. C'est vraiment le fruit d'un long travail, on l'a dit plusieurs fois, mais voilà, je tiens encore une fois vraiment à remercier
toutes les parties prenantes, parce qu'il faut bien voir que si l'ensemble de ces parties prenantes, bailleurs, gestionnaires, financeurs, ne travaillent pas correctement ensemble en amont, voilà, derrière, les projets se font plus difficilement et on ne peut pas aboutir à un outil de travail tel que celui-là, qui est quand même une belle réussite. Voilà. Je souhaiterais également vous redire que pour Cap Avenir, ce projet est extrêmement important. Il est très structurant par rapport à l'échelle de notre association et qu'on est d'autant plus fiers aussi de cette ouverture. J'ai un remerciement également particulier pour Pleurmel Communauté parce qu'effectivement, des réunions, il y en a eu un paquet, hein, monsieur le maire, il y en a eu un certain nombre. Voilà. Et donc, on a toujours pu sentir votre appui à tous les niveaux et à tout moment. Donc, un grand merci. Cette résidence est à l'image, je l'espère, des valeurs que porte l'association Cap Avenir, image de partage, de solidarité. Voilà, on est dans un lieu collectif ici, lieu où les jeunes vont vivre, hein, où ils vont vivre leur vie, leurs rêves, leur habitat. Voilà. Et donc tout notre travail maintenant, nous, c'est de gérer cette résidence avec l'équipe, dont a salué le travail particulièrement important le président et que je tiens à remercier également encore aujourd'hui. Place à l'avenir de toutes ces vies qui vont se vivre ici pour les jeunes. Et voilà, un grand merci pour être aussi nombreux aujourd'hui à cette inauguration. Voilà. Je passe quand même la parole à notre responsable de site qui va vous présenter. Ouais, alors je suis. C'est pas un exercice facile pour moi, vous m'excuserez. Je vais déjà je suis ravie de vous avoir ici. Je pense que l'équipe qui se cache par là, j'aimerais vous les présenter parce que ce sont des gens investis. Voilà, donc Nolwenn, Elena, Vincent et Morgane. Donc Morgane pour le suivi socio-éducatif, Nolwenn et Elena pour l'entretien des bâtiments et Vincent pour la maintenance. C'est une équipe ultra motivée. La preuve, c'est que pour cet événement, ils ont été extrêmement présents, ils ont pris ça à cœur et ont proposé plein de choses qui ont été mises en place, en fait. Donc, comment vous dire que je suis ravie de faire partie de cette équipe, c'est le moins qu'on puisse dire. Concernant les jeunes, on en a quelques-uns qui se cachent aussi. Voilà. Que vous dire ? Ben, effectivement, la résidence a ouvert le 2 septembre. C'est des locaux juste hyper agréables, il faut être clair. Bon, comme toute nouvelle construction, il y a eu des aléas. Donc je voulais quand même remercier les résidents parce qu'ils ont été patients et compréhensibles. Si vous pouviez vous rapprocher, ce serait bien. Que je ne sois pas toute seule. Que vous dire de plus ? Alors aujourd'hui, il y a à peu près 27 logements d'occupés pour 28 résidents. Qu'on a pu observer au niveau de l'équipe, c'est qu'ici, au niveau des jeunes, il y a beaucoup d'entraide en fait et de solidarité et un vrai désir de se retrouver ensemble, pas forcément sur des temps que Morgane anime, mais vraiment des temps où eux, ils choisissent d'aller dans la cuisine. Alors des fois, on travaille avec des vieilles odeurs de gâteaux, pour vous dire que c'est compliqué de travailler dans ces conditions. Et puis, quand on sort du bureau, on voit quelques-uns qui sont là, puis finalement, il y a tout un groupe qui arrive, et puis ça se termine par des jeux de cartes. Voilà, donc c'est ça. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on a hâte que la résidence se remplisse encore plus, qu'il y ait encore plus de vie, qu'il y ait encore plus d'envie aussi. Au sein de la résidence, mais aussi sur le territoire et sur le réseau aussi Habitat Jeune, puisqu'on a la chance d'avoir la directrice de l'UNAGE avec nous. Voilà. Je voulais avoir un petit mot pour Monsieur Guillou, parce qu'on est en lien permanent. Et que, mine de rien, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, réactif, et pour le coup, c'est très appréciable de travailler avec quelqu'un comme ça aussi. Voilà. Alors, quelqu'un veut prendre la parole parce que on en est, on peut continuer. Je pense que tout le monde a hâte d'aller visiter, donc moi, je vais vraiment être très bref. Peut-être remercier l'État. On n'en a pas beaucoup parlé. L'État dont les finances aujourd'hui
inquiète a apporté un concours d'un peu plus d'un million d'euros sur cette résidence. Donc on a eu un certain nombre de discussions, de négociations, mais il faut reconnaître que là, pour le coup, l'apport financier était assez conséquent. Un mot pour la région qui a contribué aussi financièrement à ce projet. Le département, on en a parlé, la CAF, la ville, l'agglo. C'est vraiment le concours financier de l'ensemble de ces interlocuteurs, de ces acteurs qui permettent aujourd'hui, qui a permis ou qui permet de financer des établissements comme celui-ci. Est-ce qu'on le referait à l'identique si on devait le reconstruire aujourd'hui? Sans doute pas. Nos problématiques financières, comme vous entendez tous parler, sont telles que c'est beaucoup plus difficile d'envisager des projets comme celui-ci. Donc il faut vraiment se féliciter d'avoir pu compter sur tous ces partenaires pour aujourd'hui être ici et bénéficier ou faire en sorte que les jeunes de Pleurmel puissent bénéficier de cette résidence. Et encore une fois, c'est quand chacun se remercie, ça peut paraître un tout petit peu solennel, un tout petit peu formel, mais non, ça correspond à une réalité. Pour sortir des projets comme ceci, il faut déborder du cadre, il faut aller chercher les choses qu'on n'a pas dans les livres, qu'on n'a pas dans les manuels et qu'on réussit à débloquer par un appel téléphonique, par la capacité à utiliser un réseau. Et les gens qui, ici, autour, là, forment un réseau dont la puissance, encore une fois, se matérialise par ce bâtiment-là. On a 5 autres projets de résidence aujourd'hui sur le département. On aura du mal à aller chercher le 6e, mais pour autant, il va falloir aller le chercher parce que, encore une fois, les jeunes de ce territoire en ont besoin. Pleurmel, c'est un territoire qui vit avec une économie qui est juste incroyable. Quand on parle du chômage en général, on parle de Pleurmel et de Vitré, hein, c'est les deux sites sur lesquels très vite les caméras se braquent. Bah, si cette économie-là existe, c'est parce qu'il y a tout un écosystème d'entreprises, mais il faut, pour que cet écosystème fonctionne, du logement. Et du logement à toutes les phases du parcours résidentiel. On a la chance d'avoir une CAF qui est très active dans le Morbihan, qui va chercher des financements et qui les réinjecte très vite, et sur les maisons d'accueil et sur les crèches, ce qui permet de libérer justement les papas et les mamans. Je vais commencer par les mamans et les papas, de telle manière à ce qu'ils puissent justement se rendre disponibles soit pour leur recherche d'emploi, soit directement pour leurs emplois. C'est fondamental. Et derrière, il faut encore une fois des structures sur chaque élément du parcours résidentiel. Il y a une vraie solennité, il y a une vraie émotion dans ce type de moment pour nous, de voir que tout le travail qui a été fourni depuis 10 ans, grâce à des idées qui ont germé dans la tête d'Anthony, de Patrick, de Philippe Almy qui se cache derrière, grâce au travail, puisque c'est Philippe qui nous a parlé le premier de ce qu'on pouvait faire ensemble ici, sur le territoire. Grâce au travail, ça a été cité, toutes les entreprises qui ont bossé sur le chantier, grâce au travail des agents, qui a fait un énorme boulot et qui continue aujourd'hui. Ça a été dit à l'instant, notamment avec Pierre, avec Emmanuel, avec toutes leurs équipes, à œuvrer de telle manière à ce qu'on règle tous les problèmes techniques. On a déjà de la chance, on a l'électricité aujourd'hui. C'est bien que vous en parliez. Voilà. On va faire une petite réunion de chantier après, on va vous laisser visiter. C'est grâce à ce travail-là en fait, qu'on peut se féliciter d'avoir un établissement comme celui-ci. Sur, je me permets d'en parler, une ZAC qui est aussi portée par Morbihan Habitat, ce qui repose la question de quelle est l'utilité de notre outil Morbihan Habitat pour le territoire. Bah là, pour le coup, effectivement, on peut accompagner les collectivités aussi dans la production de ce type d'aménagement avec des maisons individuelles, du collectif, du locatif, de la propriété, enfin, ce qui fait la vie. Donc on est très content, encore une fois, monsieur le maire, de vous avoir accompagné sur ce projet-là. C'est vraiment un projet porté par la ville, pour son territoire, pour le Morbihan. Très content des relations qu'on a avec Capavenir, monsieur le président, monsieur le direct, c'est l'inverse, monsieur le président, monsieur le direct. Je ne dis pas Daniel, parce que c'est pareil, hein, on était parmi les premiers à discuter de ce projet-là. C'est des discussions qui vont forcément être de long terme, c'est un bâtiment qui va vivre entre 40 et 60 ans, en tout cas on l'espère. Nous, on ne sera pas forcément là pendant 40 et 60 ans, mais sur les premiers mois, on va continuer à discuter des problématiques techniques. Il faut aussi, et on le dit très ouvertement, être en capacité de dialoguer aussi sur des éléments financiers. On a beaucoup de structures en ce moment, qu'elles soient associatives ou des CCS, qui tirent dur sur les fins de mois, les fins d'année, sur des questions financières. Et l'intérêt d'un bailleur comme le nôtre, qui a une solidité financière, c'est justement d'être capable d'avoir ce niveau de dialogue. J'espère qu'on pourra vous l'assurer sur les années à venir. Et puis encore une fois, faire en sorte peut-être, je ne sais pas si ce sera le cas avec vous, les jeunes qui sont déjà hébergés ici, de les accompagner, de vous accompagner dans les parcours résidentiels. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après? Comment on vous offre la possibilité de basculer sur un T2, puis ensuite une maison, puis ensuite peut-être autre chose, et à partir.
si on déroule le parcours jusqu'au bout, jusqu'à l'EHPAD, il faudra aussi vous faire confiance. Vous allez finir par une note un peu... Donc voilà, je pense qu'il faut tous s'applaudir et pas applaudir les gens qui vont vivre dans ce site-là, applaudir les gens qui ont concouru à l'avènement de ce très très beau projet, et puis ensuite aller visiter les locaux. Merci aux entreprises, merci aux architectes. Les archives sont pas là, mais les entreprises, j'en vois un certain nombre, notamment des entreprises locales. Hein. On ne l'a pas assez dit, mais effectivement, un bâtiment comme celui-ci, c'est l'équivalent de 30 à 50 emplois sur une année pleine. C'est pour l'économie quelque chose qui est aussi très très bien. Et comme l'a dit la vice-présidente de Morbihan Habitat, vive les jeunes. Merci.